Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, qu'elle soit sereine et lumineuse à l'image des conditions qui régnaient ici du côté de la Roche d'Errien. C'était ce lundi matin dans les Côtes d'Armor. Il a fait jusqu'à 12 degrés cet après-midi avec de belles éclaircies. Puis on retrouvait du ciel bleu ici même sur la côte d'Émeraude. Point de décollé, nous sommes sur la commune de Saint-Lunaire, tout près de Dinard et de Saint-Malo, où il a fait jusqu'à 13 degrés. Alors on a eu quand même quelques nuages et des averses qui ont concerné surtout le Finistère cet après-midi. Des averses qui gagnent un petit peu plus dans l'intérieur des terres pour ce lundi soir. Et puis pour cette journée de mardi, ce seront les conditions anticycloniques qui domineront. Anticyclone ici qui s'étale des Açores jusqu'à la France et à l'Europe centrale. On a bien une perturbation qui tente sa chance ici sur l'ouest de la Bretagne, mais elle sera peu active avec en matinée un ciel quand même bien gris sur le Finistère, quelques gouttes de pluie. À l'avant, le voile sera assez dense, des Côtes d'Armor jusqu'au Morbihan. Puis prévoyez un ciel très lumineux entre l'Ille-et-Vilaine et puis la Loire-Atlantique. Notez le vent, surtout sensible ici sur les côtes d'Iroise, jusqu'à 70 km/h de secteur sud-ouest. Vent qui reste d'actualité l'après-midi sur l'ouest de la Bretagne avec de la pluie sur le Finistère et un ciel assez sombre. Le voile se densifie entre les Côtes d'Armor et puis le Morbihan. Quelques gouttes seront possibles, tandis qu'entre l'Ille-et-Vilaine et puis la Loire-Atlantique, le temps devrait rester sec avec un ciel voilé devenant de plus en plus laiteux. On poursuit avec les températures. Nous baignons dans la douceur depuis la mi-décembre et nous allons garder cette douceur hors norme pour ces prochains jours avec des températures déjà au réveil qui seront bien douces. Hein. 7 degrés sont prévus à Fougères mais aussi à Châteaubriant. Vous aurez 9 degrés à Châteaulin, 11 degrés à Brest, jusqu'à 13 degrés ici à la pointe du Raz. Puis dans l'après-midi, on attend des valeurs là aussi supérieures normales de saison de 2 à 3 degrés en moyenne. Alors vous aurez 11 degrés par exemple à Rostronin, à Carhaix ou encore au Faouette, 12 degrés à Brest, 13 degrés pour Ouessant et Belle-Île qu'on retrouvera également ici même à Rennes ainsi qu'à Nantes. On poursuit avec la journée suivante, celle de mercredi qui sera grise et faiblement perturbée. La douceur régnera une nouvelle fois, 13 à 14 degrés pour les maximales, mais 12 ou 13 degrés déjà pour les minimales. Et puis pour la suite, regardez les conditions qui vous attendent pour la journée de jeudi. Peu de pluie, en tout cas pour cette journée, quelques bruines peut-être ici ou là. Vendredi, quelques gouttes un petit peu plus importantes reviennent sur l'ouest et le nord de notre région avec toujours une grande douceur et puis un petit peu de vent qui se lève et qui annoncera un week-end bien perturbé avec de la pluie et puis surtout du vent fort, notamment pour la journée de dimanche, le tout dans la douceur. Situation que l'on surveillera donc pour cette fin de semaine, ici même en tout cas avec Stephen Toal demain soir pour votre prochain bulletin. Très bonne soirée à tous!